Et bonjour tout le monde, c'est Azé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une nouvelle dégustation sur un burger Donna. Lors de la dernière dégustation Donna, j'ai vraiment kiffé la qualité du burger et surtout l'emballage pour le faire toaster. Du coup je me suis dit on va tester une autre gamme comme je vous avais dit. Je suis parti aujourd'hui sur un burger en édition limitée puisque c'est un burger savoyard. Ça fait un peu comme les saisonniers de chez Charal. Le burger a l'air pas mal du tout, il y a du fromage à raclette, il y a de la sauce fromage blanc, du steak, des trucs. Du coup on va se faire chauffer tout ça et on va voir ce que ça vaut, c'est parti. Voilà les petits pâtes, le burger il est là. Donc on est sur un burger type un peu M au niveau du pain. Dedans du coup, regardez, hop, on a du fromage, donc petit fromage raclette des montagnes, des cornichons, de la sauce fromage blanc. Pas mal de trucs sympathiques. Le burger est plutôt pas mal au niveau garniture, donc on va voir ce que ça vaut. Comme la dernière fois dans le dernier sandwich Donna, on a le petit emballage exprès pour toaster qui est vraiment génial et ce qui fait qu'on est toasté partout sur le pain. La petite sauce qui est dedans, j'ai l'impression que c'est une petite sauce au fromage mais avec de l'ail, c'est très très bon. Ou de l'échalote, je sais pas. Là, on peut voir quand même qu'il y a un sacré morceau de fromage dedans avec. Hein. Alors, pour le moment, j'aime bien la partie fromage, tout ça que je mange. Mais comme vous pouvez voir, regardez, j'ai quand même déjà pas mal croqué dans le sandwich. Et je n'ai pas encore croqué dans le steak. Ce qui veut dire que le steak est beaucoup trop petit par rapport au pain. Ça, c'est juste dommage. Voilà, là, je viens de croquer dans le steak. Et ben ma foi, il est pas mal. Franchement, je suis étonné. Charal, ils sont quand même vachement spécialisés viande. Au niveau de la viande, ils font quand même de la bonne viande pour l'industriel. Maintenant, dans leur burger, leur viande n'est pas bonne. Alors que là, chez Donna, ça fait le deuxième sandwich au steak. Moi, je suis un gros fan de bœuf. Et c'est le deuxième sandwich de steak où la viande est bonne. C'est ça qui est fou. Non, vraiment, il est vraiment pas mal. Son seul défaut, vraiment, c'est au niveau de la garniture extérieure sur le pain. Le sandwich est très bon, mais le steak est un peu trop petit. Du coup, si vous voulez le tester, si vous voulez acheter, vous voulez le tester, n'hésitez pas à rajouter des trucs dedans parce que ça sera bien meilleur. Parce que voilà, je vous dis, niveau garniture, on est un peu léger. Par contre, c'est clair et net, hein, je le redis pour les Donna. Mais le fait de pouvoir toaster son pain sur toutes les parties, c'est quand même un gros plus. Hein. Le pain, il est ultra croustillant et tout, c'est agréable à manger. Bah franchement, voilà, les gammes Donna, c'est vraiment pas mal. J'en ai vu d'autres aussi, hein. J'ai pris le Savoyard pour comparer justement... Avec le burger un peu montagnard savoyard qu'il y avait eu chez Charal. Celui-là est carrément au-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait aussi vraiment d'autres versions. Donna fait plus en plus de sandwichs. J'ai vu aussi qu'il y avait des versions un peu bagel et tout. Donc pourquoi pas, je regarderai un petit peu ce qui est intéressant. Mais pour l'instant, de ce que j'ai goûté, les deux seuls burgers que j'ai goûté de la gamme de chez Donna, bah, je suis étonnamment surpris. C'est vraiment voilà, des bons burgers. Ils prennent le soin quand même d'avoir un emballage exprès pour bien tout toaster. Et ça, c'est un gros plus. Plus quand ils disent garniture fromage, ils te mentent pas. Regardez tout le fromage qui est au-dessus, en dessous, c'est un bordel le truc. Mais ouais, dans leur sauce au fromage, il y a clairement un truc genre échalote ou ail qui est très très bon et qui relève un petit peu la sauce. Bon bah voilà, hein, encore un burger qui s'est bien mangé. Bon pour le coup, je me suis pris 2-3 petites chouquettes en dessert. Hein. J'adore les chouquettes. En fait, pour avoir fait 10 ans en pâtisserie et d'avoir travaillé chez Le Nôtre ou des grandes maisons comme ça, luxueuses, ce que je préfère en pâtisserie, c'est les trucs simples. Des chouquettes, du pudding, du flan, vraiment des trucs basiques, les basiques de la pâtisserie. C'est des trucs simples, c'est bon, il n'y a pas de prise de tête et c'est ce que je préfère. Même si j'aime bien voilà, des beaux entremets bien préparés, il n'y a pas de souci. Mais les trucs simples, voilà, comme les chouquettes, le pudding, c'est des trucs super simples que j'adore en fait. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo sur ce nouveau sandwich Donna Savoyard. Comme je vous ai dit, là, le résumé, c'est un très bon sandwich, bien garni en fromage, une bonne sauce, la viande est très bonne, le pain est bien toasté, le seul bémol, c'est que le steak est un peu trop petit, je trouve, à mon goût. Mais la qualité du reste du sandwich vient rattraper le truc. Franchement, c'est vraiment pas pour vous faire plaisir que je vais vous dire que le burger, il est bon s'il l'est pas. Là, franchement, on n'est pas sur du burger où on va manger, on va se dire, ouais, il est bof, mais bon, ça passe, on fera avec. Non, non, là, on est vraiment sur un burger qui est bon. Celui-ci, le dernier Donna que j'avais mangé aussi, ainsi que le fond en volaille de chez Le Gaulois, ça fait partie vraiment voilà, des burgers qui sont très très bons à manger. Pas aussi bon qu'un burger maison, mais pour un truc tout prêt, bah, c'est très très bon. Donc voilà les petits potes, dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà testé ce sandwich de chez Donna, si vous avez d'autres Donna ou d'autres marques, peu importe, que vous avez envie de me voir tester ou que vous avez envie que je découvre avec vous, bah, vous me le dites dans les commentaires, vous connaissez les bails. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu, puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.